Monsieur le préfet de Clotot, messieurs les experts et consultants, mesdames et messieurs et chers collaborateurs de l'administration parlementaire, mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais, à l'entame de mes propos, exprimer toute ma gratitude aux autorités locales qui nous ont réservé un accueil très chaleureux et sur un air de folklore typiquement local. Nous en sommes très sensibles et très honorés. Sachez que pour nous, parlementaires, c'est un immense plaisir de venir nous ressourcer au pied de Mont Clotot pour rechercher l'inspiration nécessaire devant enrichir nos réflexions autour de la thématique qui nous réunit. Je voudrais donc remercier toutes les autorités locales pour leur disponibilité et toutes les facilités offertes pour la réussite du présent séminaire. Je voudrais ici vous apporter les salutations chaleureuses des plus hautes autorités de notre pays, avec à sa tête le président de la République, Son Excellence, M. Faure et Sozimna Niassimbe. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous exprimer mes chaleureux remerciements, surtout à tous les partenaires techniques et financiers qui ne cessent de soutenir les actions de développement de notre pays. Par votre présence à cette cérémonie d'ouverture, Madame la représentante présidente de l'OMS, c'est toute la disponibilité du système des Nations Unies que vous manifestez. C'est pourquoi je tiens à vous renouveler ma reconnaissance pour avoir accepté d'appuyer notre démarche de modernisation et de développement institutionnel. Je me réjouis tout particulièrement de la présence massive en ce lieu de mes chers collègues honorables députés pour suivre ce séminaire résidentiel. Le signe que nous accordons tous un grand intérêt au renforcement des compétences nécessaires à notre mission parlementaire. À cet effet, je voudrais vous rassurer que nous ferons le plus souvent ces exercices et ces sorties pour être en phase et même en avance sur notre prochain plan stratégique de développement dans un esprit d'efficacité et de gestion axé sur les résultats. Monsieur le préfet de Clotot, monsieur le maire, honorables députés, distingués invités, mesdames et messieurs, loin d'être un simple exercice de routine, le présent séminaire résidentiel de formation à laquelle nous sommes conviés s'offre plutôt à nous comme une véritable opportunité destinée à nous apprendre quelque chose de nouveau, à nous ajouter un plus dans notre manière de travailler, à nous mouler dans une nouvelle vision. Au fond, il s'agit de nous donner de nouvelles compétences susceptibles d'améliorer nos performances individuelles et collectives au profit de notre institution parlementaire et partant pour le mieux-être de l'ensemble du peuple togolais. Le thème de notre rencontre est assez explicite à cet effet. Améliorer la gouvernance et l'administration parlementaire pour contribuer au développement durable de notre pays, le Togo. Madame la représentante, mesdames et messieurs, distingués invités, l'évidence incontournable à laquelle nous faisons face est que nous devons à tout prix rendre plus innovante et plus dynamique notre Assemblée nationale. Elle doit être toujours plus attentive aux préoccupations de nos concitoyens. Nous devons la rendre plus moderne et toujours présente sur l'échiquier régional et international dans un environnement de plus en plus marqué par des débats de haut niveau sur des questions et défis majeurs. C'est pourquoi
je considère que les différents modules prévus durant les 2 jours de formation, à savoir les grandes missions traditionnelles des parlementaires, l'édification de la République à travers des politiques publiques de développement, les grands enjeux de représentativité et de communication, très pertinents pour améliorer notre culture personnelle et par ricochet, renforcer nos compétences dans l'exercice de notre mission. C'est aussi un exercice qui nous permettra davantage de maîtriser la logistique et les mécanismes de contrôle de l'action gouvernementale, d'assurer la veille politique et d'identifier, pourquoi pas, d'autres enjeux sociétaux majeurs, toujours au bénéfice de nos mandants qui attendent beaucoup de nous. Mesdames et messieurs, chers collègues députés, participants, distingués invités, mesdames et messieurs, je sais pouvoir compter sur notre participation pleine et active à l'animation des différents ateliers afin que les objectifs que nous nous sommes fixés soient atteints. Nos riches et précieuses contributions sont vivement attendues pour que nous ramenions de Palimé des résultats fructueux, ponctués de pertinentes recommandations qui feront bouger certainement les lignes. Avant de clore mon propos, je voudrais réitérer ma gratitude aux autorités locales, d'abord à Monsieur le Préfet, ensuite à Monsieur le Maire et enfin à travers vous, à toute la vaillante population de la préfecture de Kloto. Je n'oublie pas l'équipe de pilotage de ce séminaire résidentiel ainsi que toutes les bonnes volontés qui ont contribué à sa bonne organisation. Nous ne pouvons pas clore ces propos sans adresser nos sincères remerciements à Son Excellence Monsieur Faure Essosimna Niasingbe, président de la République, pour son engagement inlassable pour une Assemblée nationale togolaise moderne et efficace. C'est sur cette note que je déclare ouvert le séminaire résidentiel de formation parlementaire. Plein succès à nos travaux et très plaisant séjour dans la localité de Kloto. Je vous remercie pour votre attention.